Bravo, bravo, bravo. Fred, bisous. Eh bien, salut-toi. Vous l'avez compris, on est en direct sur la page Facebook de ViaState. Vous avez même pu, durant la répétition, voir que Fred était en train de vérifier si ça se passait bien. Ça se passait bien ? Très bien, très bien. Ça bug un peu chez moi, parce que la 4G, oui, elle ne marche pas très bien chez moi. Mais ça va réussir à passer. On est dans la périphérie d'Ajaccio, on est dans une salle de répète, on est avec Voce Event. Ça se passe bien, la répète ? Oui, très bien. Alors, on est à Studio 20 au Vadio, chez notre ami Jean-Paul Moreau, qui a une très, très belle salle de répétition. Et voilà, en préparation des deux communs. Alors, parce qu'on est en direct, je vais te couper deux secondes. Il y a Marcel qui nous demande ça se passe où, demain et après-demain, ça se passe ? Alors, ça se passe au Palais des Congrès d'Ajaccio. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sauf que Marcel, la mauvaise nouvelle, c'est que... C'est que c'est complet. Voilà, à part... des possibilités peut-être de désistement de dernière minute, mais au demeurant, c'est complet. On peut toujours espérer avoir quelques places au dernier moment, mais normalement, on est désolé. Et Marie-Ange, je vous embrasse. Oui. Ah oui,
pour l'instant, mais comme il est dur ce caméraman, c'est Laurent Simon-Paul pour ne pas le citer. Donc en effet, pour demain et après-demain, normalement c'est complet. Mais ensuite, on va les montrer après. Ils font les malins, tout le groupe, mais on va les montrer. Et ensuite, Fred... Il y a courageux là-bas. Oui, mais on va aller les chercher, t'inquiète. Ensuite, après Ajaccio. Alors après Ajaccio, c'est une dizaine de dates dans toute la Corse. On commence par, on sera à la fête des pêcheurs le 4 juin pour un mini-concert. Ensuite, c'est au Paese di Laua pour le festival début juillet. Il y a Coro le 13 juillet, il y a Herbadiol, Il y a Loïc Colonne de Corté qui demande quand est-ce que vous passez à Corté. Alors à Corté, il y a Herbadiol le 15 juillet et Vezzani le 4 août. Voilà, Loïc, voilà. Ça va? On peut continuer? Je vous jure, ils sont durs. On refait un petit point sur le groupe, 1995, c'est les débuts. Et depuis, il y a eu pas mal d'évolutions au niveau des influences, au niveau aussi des membres du groupe. Mm-hmm. Il y a toujours le noyau. Le noyau, c'est qui? Alors là, le noyau, c'est trois anciens membres. C'est Eric qui est ici, Xavier que nous saluons. Eric. Viens, Eric. Eric, viens, Xavier. Venez au moins dire bonjour. Xavier Onchemik, il a l'angine. Juste dire bonjour. Ensuite, il y a... Parmi les anciens, il y a aussi Michel Tomei qui a intégré plus tard. Chez les musiciens, il y a Célia Pichot qui fait partie. Ça fait plaisir, Célia. Célia, on te fait un coucou. Tu viens d'être traitée d'ancienne, Célia. Hein. Tony Fallon et Célia qui nous préparent un duo, les grands classiques de la chanson corse au violon et à l'accordéon. Et pour 2018. Et puisqu'on parle de Célia, juste un petit mot, vous la retrouverez bientôt aussi dans l'ABCDR, la série que vous pouvez retrouver sur la page Facebook, bien sûr, de Viastel. Continue, ça c'était la base des anciens, voilà. Donc merci pour tout cela. Ensuite, il y a des anciens, mais qui sont nouveaux, comme Bernard. Des anciens qui sont nouveaux. 96 ans. Désolé. Bernard, lui, fait quoi? C'est... Alors Bernard, c'est guitariste, musicien, il joue du bouzouki, il fume des cigarettes dans les loges. Voilà. Ça, c'est pas bien, hein. Bernard, c'est pas bien, on n'a pas le droit. Après, il y a Michel Andreani à la guitare basse, il y a Piero Michelangeli qui est aux percussions, parmi les nouveaux, il y a Joseph Mambrini aussi à la guitare et à la cetera. Et chez les chanteurs, il y a... Alors. Jean-Philippe Martin est appuyé là sur la... Jean-Philippe Martin qui nous fait un petit coucou, voilà. Il y a Dume Casalonga qui est quelque part. Dume. Voilà, là-bas. Celui qui a affalé, voilà. Il ne faut pas filmer le jogging de Dume. Le fameux jogging de Dume. Et le grand là, qui est en contre-jour, qui ne veut pas parler, c'est qui? Ah, il ne fallait pas le dire. Viens, 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 viens. Viens, viens. Ah, tu le sais, c'est un complot. C'est un complot. Michel. Alors, Michel. Voilà, Michel. Michel, juste coucou, Michel. Bon, on va être clair. Michel l'avait dit depuis le début. Sache-le, je ne veux pas parler. Et Michel, il fait quoi, lui? Alors Michel, il a parlé aux toilettes quand on veut le filmer. C'est un peu notre directeur artistique, arrangeur de Voce Vento, qui met sa patte instrumentale avec beaucoup de talent et de qualité. Et Lionel Giacomini aussi, hein, qui travaille, qui nous rejoindra un peu plus tard. Voilà. Michel, viens. Ça, Michel. Michel, ça me fait trop plaisir. Il s'en va. Il va se caper à chaque fois. On reparle un peu quand même des répètes. C'est des répètes pour ce soir, pour demain, mais aussi pour toute la tournée. Oui. C'est surtout les répètes du dernier album, on en parle. Voilà, alors là, c'est la première fois que l'on présente notre dernier album. Toutes les nouvelles chansons, avec bien sûr un florilège des anciennes. C'est dur de faire le choix quand justement on a comme ça plusieurs albums dans lesquels il y a des titres phares qui ont marqué. De ça, dire on ne peut pas faire abstraction de se passer ça aussi. Commence. Ça commence à être dur parce qu'on commence à avoir une cinquantaine de titres. Donc de choisir ce qu'on sacrifie, ce que l'on prend. Après, il faut trouver un équilibre pour essayer de faire chanter tout le monde aussi. Donc on essaye de faire au mieux. Après, on sait qu'il y a des grands classiques incontournables comme Azerva par exemple. Celui-là, on ne peut pas ne pas le faire. Celui-là, on sait que c'est une chanson qui est attendue, qui sera un tout petit peu réarrangée pour l'occasion de demain. Il y a d'autres titres aussi qui ont une nouvelle couleur demain. Mmh. Voilà, on laisse la surprise au public. On va pas tout dévoiler. D'autres surprises, des gens qui vont intervenir ou vous êtes bien nassés déjà sur scène? Alors, il y a une invitée qui a été invitée sur notre album, c'est Léa Anton. C'est elle que je voulais citer, bien sûr. Voilà, qui vient tout spécialement de Paris pour les concerts et qui nous fera donc le plaisir et l'honneur d'être avec nous demain et vendredi. Elle n'a pas pu être là pour la répétition, mais... Alors, ce n'est pas parce que je manque de respect au monsieur que je regarde mon téléphone, c'est parce que vous réagissez en même temps. Marie nous demande quand est-ce que pour avoir toutes les dates. Ça sera bien entendu sur votre page Facebook, et ça sera, je vais les mettre en diffusion, c'est moi qui gère la page Facebook et ça sera dessus, très prochainement. Marie-Louise vous fait de gros bisous, elle dit que c'est magnifique. Merci. Olga vous donne rendez-vous bientôt à Corté. Qu'est-ce que j'ai aussi? Et Jocelyne qui vous adore.
Et Tramogne dit que c'est superbe. Ensuite, eh ben pour l'instant, il y a ça à faire vivre. Mm-hmm. On commence à réfléchir à des nouvelles compositions. C'est ce que je veux dire. On est déjà, quand on est dans la promotion du dernier album, on est déjà en train de réfléchir sur encore évoluer. Il y a déjà des titres qui n'ont pas été utilisés sur cet album qui existent, mm-hmm. plus ou moins. Il y a des mélodies ou des textes, donc il y a tout ça à travailler. Et on commence à réfléchir à la direction suivante. Oui. Que ce soit pour le concert ou quand on fait un album, comment on décide justement à un moment donné la patte, la couleur? On essaye d'avoir une homogénéité sur un album. Vous êtes tous en groupe là, on voit la bonne ambiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, bon allez, on va plutôt partir dans ce sens? Au départ, on a une couleur musicale qui est plutôt banal, hein. On s'appuie un peu sur les couleurs fin des années 70-80, de ce qui était fait en Corse à cette époque, et c'est un peu cette direction. Tout le monde a suffisamment de talent, d'oreille et d'expérience pour se coller à ça, et après c'est le travail des arrangeurs et la patte de chacun qui vient orner et enrichir tout ça, mais bon, ça permet aussi d'élargir un peu la couleur parfois. Bon, je ne dis pas tous les commentaires, magnifique, super, merci, à demain, ce soir. Non, plutôt à demain, hein, parce que ce soir, vous serez encore ici. Toi, tu l'as dit tout à l'heure, avec Célia, avec d'autres, tu fais partie des vieux, c'est toujours sympa. Il y a des nouveaux pour qui c'est une première expérience sur scène? Alors, première expérience, non, mais premier album, oui. Alors, premier album avec Vogue, hein, toi. Oui, bien sûr. Ils ont tous une expérience quand même. Ils sentent qu'on va aller vers lui, regarde. Donc, il y a Jean-Phi, il y a Doumé. Et il y a Joseph. Et c'est bien parce qu'il y a Jean. Il y a Lionel, mais qui est absent aussi. Hein. Il y a Jean-Phi qui de suite dit non, mais lui aussi. C'est chargé un peu. Style, vas-y. Allez, Jean-Phi. Voilà, le soutien. Une intervention de Laurent Simon-Paul. Il est pilote de le rallye. Et je suppose que pour demain soir, c'est super important. Merci. Comment on vit cette première expérience pour ce premier album? Comment on fait pour arriver dans un groupe qui a déjà quelques années derrière? Ben, comment on fait? Déjà, pour ma part, je connaissais bien Frédéric et puis tout le monde, tout le groupe. C'est ce qu'on dit souvent, c'est déjà des amis. C'est déjà des amis, et puis ensemble on a fait beaucoup de choses. Hein, avant d'intégrer le groupe, voilà, moi j'ai participé à des concerts, bon, tout le temps en étant spectateur, mais toujours en étant derrière eux et tout. Bon, je les ai toujours un petit peu suivis, et puis après, avec la force des choses, on est venu à se rencontrer, à être de plus en plus ensemble et puis finir dans un groupe comme ça, voilà, ça s'est fait naturellement. Et puis l'expérience du disque, eh bien, c'était une expérience, une très bonne expérience, très enrichissante. Une fois qu'on a couché le bébé sur l'album, on sent qu'il part un peu, qu'il a sa propre vie, on le regarde vivre comme ça, il vous appartient plus? Ouais, ben... On l'écoute toujours, bon, on l'écoute un peu moins après quand on en a marre de l'écouter, mais c'est vrai que mais l'album, c'est le nôtre, c'est notre bébé peut-être, c'est le bébé de tous ceux qui ont participé. Et puis on est fiers aussi, hein, de ça. La rencontre avec le public demain, ça, c'est différent. Ouais, ben on l'attend avec impatience quand même, parce que c'est un peu notre moment à nous, ça, hein, je veux dire, de rencontrer les gens qui nous aiment, qui nous écoutent. Voilà, c'est un moment important pour nous, et de savoir que la salle va être pleine, c'est encore plus transcendant, je veux dire, voilà, ça va être... Oui, désolé, ça va être complet. On va faire l'autre petit dernier de l'équipe qui essaye de se caper. C'est assez. Oui. Non, il essaye de se donner une posture en prenant la. Je vous en prie, asseyez-vous, cher ami. Je vais essayer de faire le tour. Hop. C'est bien, on est bien comme ça. Toi aussi, première expérience pour le dernier album de Vogelant. C'est la première fois que tu. Première expérience en studio, non, mais une belle expérience, très belle expérience quand même, malgré tout. Oui. Voilà, maintenant, ça fait plaisir de voir que... Laurent, montre les gens. Ils se magagnent les uns les autres, ils se filment. C'est-à-dire qu'on filme sur Facebook, le live Facebook. Comme ça, au moins, c'est la mise en abîme. Demain, la pression un peu quand on s'attaque à une salle pleine? Ouais, demain, la pression. En plus, on était un peu sceptique sur le taux de remplissage. Et on s'est aperçu que bon, c'est complet. Donc, on est content d'une part que le disque plaise aux gens, qui fonctionne bien, et puis demain... À qui je demande si combien de fois s'est vendu l'album? Qui c'est qui tient les comptes? C'est Fred? À Fred, il a le chiffre. Mais je crois qu'il ne veut pas le donner, parce qu'il a peur d'avoir un redressement fiscal. Combien d'albums vendus? Deux. Du dernier ou en tout? Le dernier. Du dernier, on a fait un tirage à 6 000, et on est dans les 5 000 à ce stade. Voilà, il y a eu, dans le premier mois, pratiquement 4 000, et depuis la sortie de l'album le 8 décembre, presque 5 000.
Voilà, commentaire, ça marche très très bien. Il est 15h50 et quelques minutes, il faut encore continuer la répétition. On va aller faire un bisou à la seule représentante féminine de ce groupe, parce que ça nous fait toujours plaisir. Et puis bon, c'est sûr que je ne veux pas être méchant, Fred, mais enfin, elle est charmante. Hein. Ah oui, et puis elle lève le niveau, parce que là, avec toute cette testostérone, ça peut fatiguer. Mais là, il y a la douceur, la féminité, la beauté. Tiens, ça leur apprendra. On me traite de vieille depuis tout à l'heure. Célia, non, je t'en prie. Comment on fait pour vivre les répètes avec ces hommes qui, a priori, aiment bien les magagnes, aiment bien aussi ne pas se prendre au sérieux? C'est pas trop compliqué? Non, que ça rigole, c'est bien. Par contre, il faut que ce soit un petit peu plus carré, quoi, un petit peu plus cadré, parce que il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de monde. Il y a des gens, il paraît qu'il y a des gens qui, durant la répète, des fois, ils disent, bon, maintenant, 2 minutes de silence. On m'a dit hein, qu'il y avait des gens qui disaient ça. Oui, moi, j'aime bien commencer un morceau dans le silence. C'est le silence avant la musique. Voilà, ça permet de mieux entendre la musique. Mais bon, ça, c'est des exigences un peu classiques, un peu personnelles. Alors, pour info, pour les internautes, sachez que depuis le début, ça m'agagne de tous les côtés. Célia a pris la parole, il y a un silence cathédral, plus personne ne bouge. Ouais, c'est un peu le syndrome maîtresse d'école. Je ne sais pas si ça doit être, s'il doit bien le prendre. C'est le respect, Célia, au moins ça. Ouais, merci. On va vous laisser vous mettre en place. Parce qu'il y a quand même du travail, hein. On n'est pas là pour non plus que pour s'amuser, Fred. Répète un morceau. Qu'est-ce que vous allez faire là? On vous quitte là-dessus. On va chanter. Mais tiens, c'est Jean-Philippe qui a d'agenda. La Lila Kunzent, qui dit à prima grazione oggi evento. Et le Moulagada à Jean-Philippe. Il a dit qu'il intégrait le groupe uniquement s'il chantait cette chanson. Ah, c'est le critère. Du coup, comme il nous prend au chantage, il chantera. Pas le choix. Allez, Jean-Philippe, au micro. Je vous rappelle bien entendu que malheureusement, ces deux concerts sont complets, que ça se passe demain et après-demain. Mais je vous rappelle aussi qu'il y aura d'autres dates à Bastia, dans la région, d'autres dates. Il est insupportable. Il y aura bien donc d'autres dates à travers la Corse maintenant et cet été. Vous allez sur la page Facebook, non pas du Astel, mais sur celle de Voice Event. Vous aurez toutes ces infos. Le temps que tout le monde se mette en place, que Célia demande deux secondes de silence avant le début, parce que c'est important. Il est où le monsieur? Ah voilà, et un dernier plan sur le monsieur qui est là, Laurent. C'est maintenant qu'il a la guitare accrochée. Voilà, ça c'est Michel, c'est ça? Voilà, on va quand même le dire. Bonjour Michel, ça va? Là, je suis à ça du coup de tête. Allez, on les laisse travailler. À bientôt sur Viastel. Pierrot, on vous attend pour le tempo. J'y vais. De suite. Pardon, oui. Une petite annonce à faire. Rien à voir avec Bojeman, excusez-moi. À vendre R5 Clio. Non, on fait 2 concerts avec le Jacques Orchestra la semaine prochaine. Donc jeudi 18 à Fouriane, le théâtre de Fouriane, 21h. Et lundi 22 au Spa di Una Dalle Luciani à Corte. Merci. Et là, c'est pas complet. Là, c'est pas complet. Vous pouvez prendre. Venez nombreux. Alors, tous ceux qui ne pourront pas voir votre event ce soir et demain soir, rabattez-vous sur le Jacques. Et il y a la page Facebook aussi. Allez, les paroles sont sur le sol. Le tempo est donné. On n'attend plus que Fred Pauge qui met ses lunettes sur le front. C'est parti. Come to my
gars. Et Dieu reste loin. Et il est là. Salut, à bientôt.